Mais prestigieux par excellence, symbole du luxe, de la fête et de l'exceptionnel, le caviar qui fut longtemps l'apanage de la Russie et de l'Iran a aussi sa terre d'élection en France. Avec une production annuelle de 20 tonnes, l'Aquitaine est devenue le nouvel Eldorado de l'or noir. Les esturgeons élevés en bassin produisent un bon caviar, proche de la vie des amateurs de l'ossiètre. C'est au début du XXe siècle que la mode du caviar est lancée en France. Si on connaissait l'esturgeon depuis bien longtemps, on ne mangeait que sa chair. Les œufs servaient à appâter les sardines ou à nourrir la basse-cour. Très prisé pendant les années folles, le caviar, alors issu du sturio, l'esturgeon sauvage, se raréfie au fil des ans, victime d'une pêche sans relâche jusqu'à son interdiction en 1982. Lorsque l'esturgeon atteint 3 kg au bout de 4 à 5 ans, il est sexé grâce à une échographie qui permet de ne conserver que les femelles. Au bout de 8 ans, les femelles sont prêtes à livrer leur trésor. Un processus long et cher. Pas étonnant que le caviar figure parmi les produits les plus onéreux au monde, tout juste après le safran. L'esturgeon produit environ 10% de son poids en caviar. Entre l'abattage des esturgeons et le produit fini, il faut compter 1h30 en moyenne. Première étape dans la fabrication du caviar, le filtrage. Les grains perdent leur enveloppe à travers un tamis, puis sont lavés, égouttés, sélectionnés selon leur fermeté, leur grosseur et leur couleur. Après le tamisage, quand la poche des œufs appelée gonade est prélevée et frottée doucement sur un tamis pour laisser échapper les œufs, vient l'écrémage. Une opération qui consiste à nettoyer les œufs de leurs impuretés avec de l'eau. Ces œufs seront ensuite salés et délicatement brassés avant d'être égouttés puis empotés. Les boîtes seront conservées au froid entre moins 2 et plus 2 degrés. Pour une parfaite traçabilité, chaque boîte dispose d'une étiquette qui indique, en plus de la date limite de consommation, le numéro du lot informatisé qui permettrait le cas échéant de retrouver l'année de naissance du poisson, la date de conditionnement et divers autres critères dans la sélection du caviar. Le caviar, vous pouvez le consommer sans modération. Il est excellent pour la santé. Riche en acide oméga-3, en vitamine B, en phosphore et en protéines. Nos chefs étoilés adorent cuisiner ce tout nouveau patrimoine hautement gastronomique et se plaisent à l'accommoder à toutes les sauces. Seul votre porte-monnaie risque une indigestion. Comptez entre 1500 et 1800 euros le kilo. Thank you.